Après avoir traversé la planète pour visiter les États-Unis d'Amérique, puis découvrir la culture japonaise de l'autre côté du globe, Cyprien a décidé d'assouvir sa soif de culture étrangère en allant en Espagne. Alors faut savoir que moi à la base je suis pas trop prédestiné à visiter l'Espagne, j'ai fait 9 années d'allemand LV1, autant dire que ça m'a servi absolument à rien là-bas. Qu'est-ce que c'est comme? Une grosse kartoffel, bitte! Ich mag kartoffeln und strudel! Guten Appetit, Aria! J'ai un petit peu préparé mon séjour en Espagne, hein. J'ai même appris un petit peu d'espagnol pendant plusieurs semaines et tout. Et bien sûr, j'ai commencé par Barcelone. Et bien sûr, à Barcelone, on parle catalan. El català es parla. Je m'étais tellement préparé, j'étais deg. Et bien sûr, les Barcelonais se font un malin plaisir à te corriger tout le temps. Un sandwich de jamón. Sí, un sandwich de pernil. De jamón. Sí, de pernil. De jamón! D'ailleurs, faut savoir qu'à Barcelone, la majorité des touristes sont français. Je sais de quoi je parle, hein. Moi-même je viens de France. Et il y a un truc incroyable que j'ai pu entendre de la bouche de plusieurs français là-bas. Et si on allait au parc Güell après? Encore des français, ils sont partout, hein. Et toi, tu es quoi? Tu viens d'une autre planète peut-être? T'es un extraterrestre, c'est ça? Bah oui. Ah, c'est simple, il y a tellement de français à Barcelone que je suis tombé sur des serveurs français. Un sandwich de pernil. Si, un sandwich au jambon. De pernil. Oui, oui, au jambon. Ich möchte eine chicken brot. Ça, c'est de l'allemand. Et ben voilà, j'ai perdu mon catalan. Je suis tellement nul en espagnol que je me suis tapé la honte de ma vie là-bas. On était en voiture avec des potes. C'est bizarre, il n'y a pas Salida dans le routard. Pourtant, ça indiquait partout. Peut-être qu'il n'y a rien à voir dans cette ville. Salida, ça veut dire sortie en espagnol. Ah ouais? Ouais, je savais bien sûr. Une des différences avec la France, c'est notamment les horaires des magasins, puisque tous les petits commerces ferment entre 13h et 16h. Et là, je me suis dit, porqué ! Et puis, je me suis promené l'été en Andalousie à 14h, et là, tout s'est expliqué. Chaleur extrême. Alto calor. Il faisait tellement chaud que quand je sortais, je me collais contre les murs pour bénéficier de 15 cm d'ombre. Bon bah, on y va, hein. C'est joli l'Andalousie à 14h, hein. Oh, regardez là-bas. Ah merde ! Un coup de soleil. Après, je vais pas me plaindre du beau temps, ça c'est sûr. D'ailleurs, y a un truc que je peux pas m'empêcher de faire dès que je bouge à l'étranger ou dans le sud de la France, c'est que je regarde la météo à Paris, et plus il fait moche là-bas, plus je kiffe. L'homme le plus fourbe de France. Et à l'inverse, ce qui m'énerve grave. Salut Cyprien, alors c'est bien l'Espagne, ici à Paris, il fait super beau. Un des trucs que j'ai préféré en Espagne, c'est la nourriture. Et un truc qui m'a étonné, c'est qu'en fait, ils font des boîtes de conserve de qualité, genre c'est reconnu et tout. Et il y a même des bars à tapas qui te servent des tapas qui sortent de conserve. C'est comme ça. Faut s'y faire. Je vais vous prendre des patatas bravas et des artichauts. Si. D'accord, en fait, c'est ça. Si. Waouh. Vous êtes cuisinier, vous aussi? Si. Vous avez fait Top Chef, non? Si. C'est vous, Thierry Marx? Si. C'est vous, Guylaine Arabian? Vous êtes Guylaine Arabian, c'est ça? Si. Bref, l'Espagne, c'est mortel, j'ai adoré la nature. Manger. La culture. Manger. Les Espagnols. Manger. Et comme on dit en Espagne, auf Wiedersehen. Ça, c'est de l'allemand. Merde!